オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語を勉強中の方やフランス語に興味があるという方に向けて、フランス語学習を楽しく効率よく続けるための秘訣などを様々な角度からお伝えする番組です。皆さんこんにちは。パーソナリティの野瀬祐介です。ヴァネッサ先生とマリーヌ先生の対談は最終回となる第3回目です。今回はマリーヌ先生にフランス語講師として学習者にアドバイスや習得のコツをお伺いしましたので、皆さんぜひメモを取りながら聞いていただければと思います。対談を聞いていただいた後はワンポイントフランス語レッスンをお届けします。それではヴァネッサ先生とマリーヌ先生の対談最終回をお聞きください。 Bonjour à tous, bienvenue sur Ensemble en français à la cafette. Aujourd'hui nous avons à nouveau le plaisir d'avoir parmi nous le professeur d'Ensemble en français, Marine. Bonjour Marine. Bonjour Vanessa. Comment vas-tu? Très très bien, et toi? Je vais très bien, merci. Alors nous avons le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour que Marine nous donne les bons conseils sur l'apprentissage du français, quelles sont ses méthodes, voilà, le français selon Marine. C'est parti. Voilà. Alors dis-nous, est-ce que tu as des recommandations particulières pour ceux qui apprennent le français? Alors, la première des recommandations, ce serait de prendre tout le vocabulaire qu'on a étudié auparavant avec le professeur, utiliser ce vocabulaire, utiliser la grammaire et essayer de faire par vous-même des phrases avec donc, ces mots. Apprendre des mots, c'est bien. Savoir utiliser ces mots, c'est mieux. Donc, essayez de faire des phrases simples avec la grammaire et les mots de vocabulaire en même temps par rapport à votre vie quotidienne, votre environnement, votre travail, votre famille. Mon premier conseil. Parfait, très très bon conseil, je pense. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Oui, est-ce que tu en as d'autres? Le deuxième, ce serait peut-être d'augmenter le vocabulaire en écoutant des conversations, donc par exemple des conversations sur YouTube, en écoutant des films. Notez les mots de vocabulaire que vous entendez et essayez aussi de les utiliser. Vous pouvez aussi augmenter votre vocabulaire en cherchant des adjectifs. Par exemple, au lieu de dire appartement, on peut trouver un mot qui est presque le même sens, donc logement. Donc, je vis dans un appartement, je vis dans un logement, je vis dans une maison, etc. Tout à fait, tout à fait. Très 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 bon conseil. Oui, oui, très très bien. Et est-ce que justement, par rapport à ça, tu as des techniques que tu préfères en particulier? Pas forcément par rapport à ça. De manière générale, j'essaie quand même d'augmenter le vocabulaire de mes élèves en utilisant des mots différents, en utilisant des synonymes. Par exemple, à travers des dialogues, vous avez deux personnages qui discutent. L'un va dire quelque chose, l'autre va dire autre chose. Il y a beaucoup de synonymes dans les dialogues. C'est un de mes conseils d'utiliser des dialogues. Personnellement, j'en utilise beaucoup. Je fais beaucoup de roleplay, donc de conversations, de situations avec mes élèves. Je pense que c'est assez efficace. Oui, 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 je suis assez d'accord. C'est vrai que voilà, la mise en situation, les jeux de rôle, voilà, ça peut paraître pour nous en tant que professeurs quelque chose d'assez léger peut-être, mais pour les élèves, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, je pense. Tout à fait, tout à fait. D'autant que dans la vie quotidienne, bien voilà, il y a beaucoup de mots très naturels que les professeurs vont utiliser, et ces mots-là, si vous les apprenez, vous aussi, vous parlerez comme des Français. Tout à fait, oui, oui, entièrement d'accord, très très bien, oui, oui, oui. Donc, technique préférée, le jeu de rôle peut-être? Exactement. Bon, voilà, donc pour ceux qui aiment les jeux de rôle, voici Marine.
Bon, il y a beaucoup de dialogues sur Internet. Voilà, c'est une idée, je pense. Après, ça va dépendre aussi de ce que recherchent les élèves. Bien sûr. Certains vont partir en France, donc les dialogues, c'est une bonne idée. Certains élèves, par exemple, sont intéressés par d'autres domaines. Par exemple, ils veulent avoir plus de vocabulaire, ils veulent étudier des choses en profondeur, des thèmes. Dans ce cas-là, on peut aussi lire beaucoup d'articles de presse. C'est aussi une très très bonne idée, je pense. Oui, entièrement d'accord avec toi. Alors justement, tu nous parles de la différence d'objectifs selon les élèves. Il y a des élèves qui ont pour objectif de passer des examens. Est-ce que tu as un conseil particulier à donner à ces élèves ? Alors, personnellement, j'ai passé un examen de japonais et pour réussir l'examen, j'ai vraiment essayé de faire un planning. Donc, chaque semaine avant l'examen, qu'est-ce que je vais étudier ? Donnez-vous un planning, ça vous permettra d'avoir chaque semaine des objectifs à atteindre. Premier conseil, donc, le planning. La deuxième chose, c'est de beaucoup réviser ce que vous avez étudié et également utiliser donc, des annales, des examens pour travailler. Les révisions, c'est bien parce qu'il faut apprendre des choses, il faut se souvenir des choses, mais quand vous serez devant l'examen, il y a beaucoup de questions qui vont ressortir, beaucoup de thèmes qui ressortent régulièrement. Et donc, pour réussir à répondre à ces thèmes, il faut avoir étudié précédemment donc ces sujets. Voilà. Révisez beaucoup les sujets. Il y en a beaucoup sur Internet. Donc voilà, vraiment c'est un bon conseil, je pense. Oui, entièrement d'accord. Voilà, de toute façon, pour les examens, c'est toujours les mêmes exercices qui reviennent, toujours les mêmes questions. Mmh. Personnellement, j'ai déjà eu des élèves qui ont passé l'examen et qui m'ont dit, mais c'est exactement l'examen qu'on avait étudié, vous saviez, vous connaissiez les questions. Ah non. Exactement. Donc voilà, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Donc c'est très important de toujours s'entraîner. Au début, ça peut paraître assez difficile, hein. Il y a des exercices assez difficiles, beaucoup de vocabulaire à apprendre, etc. Mais au fur et à mesure, on se rend compte que c'est toujours la même chose. Donc quand vous n'allez plus avoir de choses à apprendre, eh bien, ça va vouloir dire que vous avez vraiment bien étudié, que vous êtes prêt pour l'examen. Tout à fait. Voilà. Il y a beaucoup, par exemple, dans les questions donc de conversation, il y a beaucoup de choses, de conversations, de thèmes qui ressortent régulièrement. Donc, si on étudie certains thèmes, on va étudier, par exemple, comment poser des questions, comment se renseigner sur un domaine, sur des heures d'ouverture, par exemple. Comment demander à quelqu'un de faire quelque chose, proposer par exemple quelque chose à un ami. Il y a beaucoup de thèmes comme ça qui vont ressortir. Si on en étudie un de chaque pendant l'examen, vous vous rappellerez et je pense que ça sortira plus naturellement. Tout à fait. La conversation sera aussi plus naturelle avec le professeur, l'examinateur. Oui, exactement. Et également, alors voilà, donc on a les élèves qui passent des examens et je pense que ça nous arrive à tous, de temps en temps, des motivations. On ne voit plus, voilà, on a l'impression qu'on n'avance plus, qu'on n'arrive plus à apprendre de nouvelles choses. Mmh. Et on est démotivé, on a envie d'arrêter, on est troublé. Est-ce que tu aurais des conseils pour ces élèves-là ? Alors, par exemple, je pense que le plus important, quand on étudie une langue, c'est de comprendre pourquoi on l'étudie. Est-ce que c'est parce qu'on a envie d'aller en France ? Est-ce que c'est pour le travail ? Est-ce que c'est parce qu'on est passionné ? Etc. Essayez de trouver pourquoi vous étudiez le français. Si vous trouvez cet objectif, par exemple, j'ai envie de parler avec des Français, j'ai envie de me faire des amis, et à continuer, voilà. Continuez par exemple à faire des conversations. Essayez de discuter avec beaucoup de Français. Recopiez, voilà, imitez la manière que les Français ont de parler. Voilà. Si c'est pour le travail, essayez de trouver des expressions en français pour le travail, des sujets, par exemple des articles de presse sur le travail que vous faites, le tout en français. L'important, c'est de trouver en quoi le français c'est amusant. Pourquoi est-ce que vous aimez étudier le français ? En retrouvant ça, je pense qu'on peut
Oui, retrouver la motivation. Tout à fait. De toute façon, la clé, je pense, hein, de la réussite, c'est la motivation. Mm-hmm. Donc, quand on est démotivé, mm-hmm. il faut avant tout chercher à se remotiver. Mm-hmm. C'est ça le plus important, puisqu'avec la motivation, on peut faire beaucoup de choses. Tout à fait. Voilà. Alors, voilà, on sent que tu es passionnée quand tu en parles. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce que tes élèves représentent pour toi? C'est une question difficile. Oui. Très intéressante. Oui. Alors, j'aime vraiment beaucoup mes élèves. Je suis à Ensemble en français depuis quelques mois seulement, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes très différentes, ne serait-ce qu'au niveau de l'âge, au niveau du japonais, au niveau du français, par exemple au niveau de la motivation, pourquoi est-ce qu'ils étudient le français. Il y a vraiment beaucoup de choses très différentes. La première chose, c'est que voilà, c'est toujours passionnant d'avoir une personne en face de soi et de discuter avec elle et de lui apprendre des choses qu'elle souhaite étudier. Par exemple, pour le travail, il y a des personnes aussi qui vivent en France, qui ont besoin de vocabulaire pour parler avec leurs voisins, parler dans les magasins, parler avec l'école de leurs enfants, etc. Donc, voilà. Pour moi, c'est vraiment un grand, grand plaisir de discuter, de connaître la personne, de lui apprendre des choses, les choses qu'elle veut savoir, et un peu plus, si possible, voilà, apporter des informations complémentaires sur la culture française, par exemple. Bien sûr. Et le français. Et voilà. De manière générale, oui. Voilà, c'est toujours vraiment, c'est très très passionnant. Voilà. Tout à fait. Hein, je pense que même plus que voilà, bien sûr, ces personnes à qui on nous fait étudier le français, ce sont avant tout nos élèves, mm-hmm. mais il y a une vraie relation qui se crée, et je pense que ça dépasse un petit peu ce lien-là. Exactement, oui, oui, oui. Très bien. Alors, est-ce que tu as un petit mot justement pour tes élèves qui te regardent? Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Eh bien, j'espère que vous appréciez mes cours. Si jamais vous avez des demandes, si jamais il y a des choses que vous souhaitez étudier, des choses que vous souhaitez apprendre sur la France, ben, n'hésitez pas à me demander. C'est toujours avec grand, grand plaisir. Très bien. Bien, merci Marine. Cet épisode se termine tout doucement, mais j'ai une dernière question pour toi. Voilà, toi qui a étudié le latin et qui aime beaucoup jouer avec les mots, oui. Est-ce que tu as une expression française que tu affectionnes particulièrement? Alors, mon expression préférée n'est pas d'origine française, mm-hmm. mais d'origine arabe. Alors, est-ce que tu vas la connaître, Vanessa? Alors, je donne une date aux pauvres pour en goûter la vraie saveur. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu sais? Non. Je peux imaginer. Alors oui, la date, en effet. Donc c'est un. Alors c'est pas un fruit, mais ça vient en effet des pays arabes. Mm-hmm. Je donne ma langue au chat. D'accord. Donc ça signifie que pour goûter le goût de quelque chose, pour connaître le goût d'un fruit, le goût d'un aliment, on ne le mange pas soi-même. On le donne à quelqu'un. Et en donnant à quelqu'un, cette personne sera très heureuse, surtout si c'est une personne qui a des problèmes, qui n'est pas très riche, par exemple. Donc, si on donne quelque chose à quelqu'un de pauvre, on voit le bonheur sur le visage de cette personne. On voit la joie qu'elle a de recevoir. Et cette joie-là, c'est la chose la plus importante. Il n'y a rien de plus important que la joie de quelqu'un qui reçoit voilà, quelque chose. C'est joli, n'est-ce pas? Ça te représente bien, je pense. Je suis contente. Bon, et bien, merci beaucoup, Marine. Ça a vraiment été un plaisir, une fois de plus, de te recevoir. Merci beaucoup. J'espère que nous aurons l'occasion de te recevoir à nouveau. J'espère aussi. Merci à vous tous, chers auditeurs, pour nous avoir regardés aujourd'hui. Et puis, nous vous souhaitons une fois de plus une très très bonne journée. N'hésitez pas à réserver des cours avec Marine si vous le désirez. Et bien, à très bientôt. Et merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.
ワンポイントフランス語レッスン。こんにちは。こちらのコーナーを担当しているアンサンブル講師の大輔です。今回も会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の一言や表現をご紹介します。今日はできれば使う機会は少ない方がいい、そんな一言を覚えていただきましょう。何をやっても無駄。さあ、フランス語では一体何と言うでしょうか。ヒントは何も丸々ないという表現 rien ne を使います。正解は rien ni fait。Rien ni fait. Rien ni fait. 直訳をすると、それを何とかするものは何もないという意味から、それを解決する方法は何もない、何をやっても無駄という表現として使われます。何も丸々ないという意味の rien ne と、何とかする、与えられた状況をうまくやるという意味の y faire の2つの表現で構成されています。 rien ne の n e ne とi faire の y i がエリジオンを起こして n apostrophe y にとなっていますので注意しましょう。そして rien が主語として使われるときは faire は三人称単数の f rI te fe と活用します。あー、もう何をやっても無駄だなと思ったら rien ni fe、 rien ni fe。 音で覚えておきましょう。いかがでしたか。今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言はアンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた、アラポシェヌフォア。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしています。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛にお名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしています。それでは皆様、また次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。